Alors, on va faire le lien entre... On est au cœur de cette deuxième séquence. Pour rappel, la première vous a permis ce matin de comprendre de quoi on parlait quand on parlait d'influence, de qui on parlait quand on parlait d'influenceur. Pour poursuivre ce cheminement et comprendre mieux le comment, nous allons maintenant nous poser la question: quelle stratégie d'influence pour quelles entreprises? Les entreprises ont une culture, des pratiques, des produits, des services différents. Évidemment, comme toute stratégie, il faut qu'une stratégie d'influence, on va le voir tout de suite avec nos différents intervenants, soit adaptée, alignée avec cette culture, ces services, ces produits. Quel type d'entreprise? On va aussi parler de taille d'entreprise. C'est aussi une stratégie différente en fonction de ses moyens, de sa taille, de sa proximité avec son écosystème, ses clients. Alors pour nous éclairer sur ces sujets et passer du, encore une fois, du quoi au comment, je vous remercie d'accueillir à nouveau, pour ceux qui l'ont déjà vu il y a quelques minutes, Guillaume Dokitonon. Merci de l'accueillir. Bruno Mignot. Julien Carlier. Raymond Morin. Lionel Dame. Ça va, Lionel? Et Gauthier Descamps. Alors, Julien, on t'a écouté, hein. Alors, on t'a déjà entendu, toi, Bruno et Guillaume. On a des nouveaux sur scène pour nous aider à recréer d'autres connexions également. Alors, vous vous présenterez petit à petit au fur et à mesure de vos interventions. Pour rappel, téléchargez l'application Commandeur pour pouvoir poser vos questions en live. Moi, je les vois, je les choisis. J'ai donc une influence également sur les questions que vous pouvez, en tout cas les questions qui seront posées à nos intervenants. On va commencer avec toi, Guillaume. Alors, tu as une contrainte, je préviens tout le monde tout de suite. Ce n'est pas de l'impolitesse. Il nous quittera un petit peu avant la fin de la table ronde. Hein, et j'en suis désolé. Tu as un train dans pas très longtemps. Rich a mené une étude, la plus récente actuellement disponible, je pense, en France, sur les stratégies d'influence des entreprises. Est-ce que tu peux, on va parler vraiment du comment, est-ce que tu peux nous résumer les grands enseignements de cette enquête ? Oui, alors c'est une étude, c'est la deuxième année qu'on le fait, et donc comme c'est la deuxième année, on peut vraiment en tirer des tendances, on peut l'utiliser comme un benchmark. Et ce qu'on a remarqué sur cette version de 2018, c'est déjà que les influenceurs, du moins du digital, hein, pour faire suite aux conférences précédentes, sont de plus en plus jeunes, sont contactés par les marques aussi de plus en plus tôt. Et ça, c'est extrême, c'est une nouveauté aussi, c'est-à-dire que dans leur histoire d'influenceur, entre le moment où ils se déclarent influenceurs, on a la majorité des influenceurs qui sont contactés en moins de 2 ans. Au début de leur carrière, exactement, de leur vocation ou de leur passion d'influenceur. Et ils sont contactés aussi de plus en plus petits, c'est-à-dire en termes de taille. C'est logique parce que c'est aussi le début de leur carrière, mais surtout, il y a une prise de conscience. J'en parlais un peu pendant ma conférence de l'intérêt. Et puis, je l'ai entendu plusieurs fois dans d'autres conférences. C'est pas la taille de la communauté, c'est pas le petit lien qu'on a avec beaucoup de personnes, c'est plutôt le lien important qu'on a avec des personnes qui nous écoutent. Et donc, c'est pour ça que les marques aujourd'hui s'adressent aux influenceurs de plus en plus tôt. Et le constat, c'est que même nous, on a vu des choses assez hallucinantes dans notre métier, c'est qu'on a des influenceurs aujourd'hui de 60 000 abonnés sur Instagram, c'est pas énorme, qui sont représentés par des agents, par exemple. Ça, c'est vraiment une nouveauté, parce qu'avant, les agents, ils représentaient vraiment les top influenceurs, et maintenant, ils sont représentés très rapidement par des agents. Alors, notre question, c'est aussi pour quel type d'entreprise? Est-ce que très grosse entreprise veut dire forcément gros influenceurs dans les pratiques? Non, c'est même... comme il y a cette prise de conscience de l'intérêt de la mid-tail, du micro-influenceur et d'objectifs marketing auxquels ils répondent, ben finalement, c'est les entreprises parfois les plus matures qui cherchent ce type d'influenceur. Et donc, comme beaucoup de grosses entreprises ont commencé assez tôt leur stratégie d'influence marketing, ils s'orientent vers la mid-tail. Donc, il n'y a pas une corrélation entre la taille de l'entreprise et la taille de l'influenceur. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur ce que représentent les influenceurs en région? On est dans un événement clé de la région Hauts-de-France pour nos métiers. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde dans la salle de savoir, voilà, qu'est-ce que ça représente, ça, à l'échelle régionale. Est-ce qu'on a les chiffres en régie, s'il vous plaît? Logiquement. Alors, en attendant les chiffres, on a fait ce petit travail de se projeter un peu dans la région là où on est.
On a voulu regarder un petit peu le nombre d'influenceurs. Alors j'ai tracé dans notre technologie un 110 ou 120 km autour de Saint-Quentin, qui me semblait être la ville la plus centrale. Et donc je pense que j'avais toutes les Hauts-de-France avec ça. Et sur notre communauté qui fait aujourd'hui 17 000 influenceurs, on a 1000 influenceurs aujourd'hui qui sont dans la région. Donc ça montre qu'il y a vraiment des ancrages régionaux chez les influenceurs. Et quand il y en a de ces 1000-là, il y en a 400, un petit peu plus de 400 qui sont à Lille. Et les thématiques les plus représentées, alors c'est assez peu étonnant parce que c'est finalement déjà les statistiques moyenne France, mais on a beaucoup d'influenceurs dans la mode et la beauté, un peu l'industrie historique du marketing d'influence. Et puis après, suivi par la food, les influenceurs famille, sport, tech, et puis ensuite automoto et le reste réparti sur les différentes communautés. Alors, n'hésitez pas à compléter les propos de Guillaume, hein. On est là pour échanger également sur la table ronde. Donc ça, on vient de voir un petit peu le profil type et les domaines, on va dire, de prédilection, d'affinité des influenceurs en région. Par quel canaux passe-t-il aujourd'hui? Quel canaux utilise-t-il? Alors c'est Instagram, et il y a eu une croissance assez énorme. En fait, quand on pose la question aux influenceurs, quel est votre réseau de prédilection, on a Instagram qui est en tête. Aujourd'hui, le trio de tête, c'est Instagram, Facebook et YouTube. On a les stats sur le Hauts-de-France. Donc c'est un petit peu différent. On a le blog qui est toujours puissant en termes de taille de communauté. Ça ne veut pas dire que c'est le réseau qui privilégie. En fait, le blog est puissant parce que c'est aussi le réseau historique. Hein. Avant de parler d'influenceurs dans le monde du digital, on parlait avant de blogueurs. Et donc il y a toujours la force de ce réseau-là. Mais c'est vrai qu'il y a Instagram qui se détache vraiment. Après, on pourrait creuser par thématique parce qu'il y a des thématiques où les autres réseaux sont encore très forts. On entend quand même de plus en plus dans les parutions en ligne ou même papier, etc., spécialisés, dire que le blog est mort. Alors, j'ai l'impression qu'on entend tout. Tout est mort, à peu près. Voilà, l'influence marketing est mort, ouais. Les influenceurs stars sont morts, le référencement est mort. Enfin, tout est mort. Je pense que c'est juste que les leviers se réinventent. Le blog, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont plus présents sur Instagram, plus présents sur Snapchat, sur YouTube. Et pour autant, le blog répond à des objectifs marketing qui sont extrêmement différents. C'est juste qu'ils sont complémentaires à Instagram. Aujourd'hui, le blog, il y a la vraie pérennité du contenu. Il y a une prise de parole qui est beaucoup plus longue que sur Instagram. Nous, quand on fait des opérations, par exemple, pour un produit high-tech, si je veux parler d'un téléphone portable sur LG, un téléphone LG, par exemple, j'ai beaucoup, l'influenceur va privilégier le blog où il peut vraiment faire une description du téléphone ou éventuellement YouTube que Instagram pour lequel ça fait pas énormément sens. Le blog, c'est aussi les plateformes dont Twitter par exemple, je prends cet exemple là, je connais mieux, c'est aussi quelque part un appel vers le blog, c'est à dire que le blog est un contenant et diffusant aussi, mais il est aussi relayé au travers des canaux sociaux finalement. Ouais, même si les réseaux aujourd'hui aimeraient que ce soit pas le cas, puisqu'aujourd'hui les réseaux cherchent à privilégier les contenus qui incitent à rester sur le réseau. Donc c'est vrai qu'il y a cette utilisation de Twitter qui est d'être un relais vers un autre réseau, ce qui plaît pas aujourd'hui aux réseaux qui souhaitent valoriser quand même des contenus images, vidéos qui vont permettre de rester sur le réseau social. Alors on est aussi ici pour parler du comment, un sujet qui n'a pas encore été abordé, c'est comment aujourd'hui on établit une relation avec ces micro-influenceurs, entre autres, et rémunération par rémunération d'ailleurs, c'est ça aussi la question. Quels sont les deals, quels sont les éléments d'un bon deal avec les influenceurs aujourd'hui? Ça c'est vraiment le sujet, rémunération ou pas rémunération, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Et je sais aussi qu'on y reviendra avec d'autres... Je vois le compteur, on pourrait parler quasiment que de ça parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Nous chez Rich en tout cas on croit beaucoup et on milite entre guillemets pour la rémunération des influenceurs parce qu'on considère, nous on fait de l'influence marketing, donc on fait du marketing et donc on attend, on donne des contraintes aux influenceurs, on attend des résultats et donc ça passe souvent par un partenariat qui est clair, qui est précis avec des attentes et ce partenariat il implique rémunération. D'ailleurs, je trouve même que parfois, nous, on rencontre des marques où le discours, c'est « je ne veux pas payer les influenceurs ». En fait, parfois, ce discours, c'est même un message qui est particulièrement négatif, qui est de dire que je considère que les influenceurs ne font pas un travail et donc qu'ils ne méritent pas rémunération.
Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on rémunère parce qu'on achète la vie. Non, on achète un travail, on achète le travail de s'intéresser au produit, d'utiliser son talent et sa passion pour parler de ce produit-là auprès de la communauté, ou ne pas en parler si on considère qu'il ne faut pas en parler. Et la rémunération, elle est liée à ça. Donc nous, on milite beaucoup pour la rémunération des influenceurs, ce qui n'est pas encore un sujet qui est globalement accepté. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Oui, Raymond, je voyais hocher la tête. On a dit qu'on se tutoyait. Hein. Ouais. Ça serait dommage quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce n'est pas la vie, effectivement, que l'on paie, mais c'est le travail effectué. C'est ça qu'il faut faire la différence. Et bien souvent, trop souvent, il y a des entreprises qui passent à côté de cette notion-là. Lionel, je te voyais aussi opiner. Oui, en effet, c'est un travail et deux, c'est une audience. Et aujourd'hui, quand j'achète une audience d'un influenceur qui a 100 000, 200 000, 300 000, X milliers de vues, finalement, avant, quand j'achetais une bannière publicitaire chez un média qui avait une audience, je le payais aussi. Et mon média, il faisait aussi son travail d'acheteur, de mettre une publicité, de le mettre quelque part. Donc, pour moi, c'est important aussi de voir dans certains cadres contractuels, en effet, il faut payer. Enfin, ça reste un média avec quelqu'un qui travaille derrière. Ça fait partie aussi des impératifs qu'on a déjà exposés au travers des keynotes et un peu ce matin également. Dans la mesure où ça se professionnalise, à un moment donné, il faut aussi être en mesure et en capacité, en acceptation de parler d'argent. On est dans l'accompagnement d'une stratégie. Oui, et puis, comme on parle d'argent, il y a aussi beaucoup de mythes hein, sur la rémunération des influenceurs qui n'aident pas à comprendre l'intérêt de rémunérer. Dans l'étude qu'on a faite, en l'illustration aussi, on a demandé aux influenceurs combien ils gagnaient par an grâce à leur passion, et il y a plus de 80% des influenceurs qui gagnent moins de 5000 euros par an. Donc on n'est pas du tout dans les rémunérations de Enjoy Phoenix, de Norman. On est finalement dans la finance, dans beaucoup de cas, dans financer une passion, permettre à l'influenceur d'acheter du meilleur matériel pour faire de meilleurs contenus, de meilleures vidéos. Donc on est vraiment dans une rémunération de passion, dans une aide à mieux travailler sa passion, presque dans du mécénat, que dans une rémunération forte. Julien ? En fait, ce qu'on voit dans les influenceurs, c'est juste qu'ils accélèrent la mutation des médias. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup de la transformation médiatique, c'est-à-dire le rôle dont les marques peuvent avoir accès aux audiences. Mais là, on est en train de toucher un sujet qui est important, c'est que si les médias n'ont plus le monopole d'accès aux audiences, qu'est-ce qu'il leur reste pour vivre ? Et en fait, c'est ça que montrent les influenceurs, c'est qu'ils deviennent producteurs de contenu. L'influenceur, il mélange plusieurs métiers, c'est ce que tu soulignais. Il est à la fois producteur de contenu et putain, il est bon. Il est souvent très très bon en ligne, vous savez, avec des moyens mais ridicules pour faire des contenus qui marchent super bien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En tant qu'agence de création de contenu, l'influenceur mérite une rémunération de création de contenu. Après, le reste, la monétisation d'audience, ça c'est l'ancien business model. Aujourd'hui, globalement, En coût d'impression cerveau, ce qu'heureusement on ne peut pas mesurer, mais quelque part l'objectif quand on influence les comportements, c'est de faire des impressions cerveau, ils sont moins chers que les médias traditionnels, donc forcément tout le monde y va en disant ça me coûte moins cher pour envoyer un message à des cerveaux que des médias traditionnels. Mais il faut faire c'est la mutation média. Et d'ailleurs la plupart des médias traditionnels vont au même endroit. La plupart des médias traditionnels ont de plus en plus d'activités de création de contenu, de publier reportages, voire de contenu en marque blanche, voire de production d'événements. Donc, en fait, c'est vraiment toujours la même chose. C'est cette mutation des médias. Alors, un petit clin d'œil de Lise Ambar qui nous dit que surveille bien le deuxième à partir de la gauche, donc Bruno. Je crois qu'il a une mauvaise influence sur moi. Désolé. Alors, on va prendre une question parce que, c'est assez intéressant. Donc, si ça fonctionne logiquement, je devrais pouvoir l'afficher. Est-ce qu'elle s'affiche ? Non, elle ne s'affiche pas. Ça, vous partagez sûr ? J'en ai tranquille. Alors, la question, c'était quelle est l'importance des collaborations aujourd'hui, des marques avec les collaborateurs, par exemple, pour co-créer un produit, un service ? La manière dont on va aller jusqu'à même les impliquer en amont de la conception, de la création d'un produit. Est-ce que vous avez un exemple à nous partager avec nous, en tout cas l'importance que ça peut prendre aujourd'hui. Une belle colle, bien joué. J'ai un début de... Je pensais tout de suite au lab de Oxylane de Decathlon, hein, pour qui les collaborateurs ne sont pas forcément dans l'entreprise, mais parmi les clients, tout simplement. C'est de dire aux clients, aidez-nous à améliorer notre produit, à en créer un autre, à répondre à un besoin.
Là, on est totalement dans le marketing. Hein. Créer un besoin ou vendre un produit qui réponde au mieux à la demande des clients. Et donc les collaborateurs, oui. J'ajouterai au fait qu'il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui ne savent pas que tel ou tel collaborateur ou telle collaboratrice a telle passion. Par exemple, c'est une spécialiste de sociologie ou du développement durable et autres et autres. Et donc, n'utilise pas souvent ces compétences qui sont inconnues parce que tout simplement la boîte vend par exemple du saucisson. Et c'est sûr qu'avoir un diplôme en sociologie pour vendre du saucisson, on n'y pense pas tout de suite. Alors qu'en réalité, ça peut être énorme. Ça peut être énorme comme intérêt. Et donc, parmi les collaborateurs, moi j'invite les dirigeants, les décideurs, à essayer d'aller plus loin dans le diplôme qui correspond à ce que fait l'entreprise de ses collaborateurs pour pouvoir profiter des autres compétences. Raymond Morin, merci d'avoir fait le déplacement depuis Montréal, je le rappelle. Merci. On est ravis que tu sois là avec nous aujourd'hui. Alors, quels sont, selon toi, les bons ingrédients d'une stratégie d'influence ? Tu as une vision assez précise du sujet. Ça repose sur les relations et la confiance, au départ. Les influences... Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher, ça influence quand même vachement positivement, je trouve, l'accent. Merci. Et au niveau des relations, au niveau de la confiance, c'est à ce moment-là qu'on obtient la meilleure collaboration avec un influenceur, tant au niveau de la création de contenu que de la direction des stratégies. Les influenceurs vont pouvoir aider à planifier une stratégie plus efficace, vont prendre la parole lors d'un événement et vont diffuser le message de la bonne manière pour être en mesure, justement, de répondre aux attentes de son client, qui est l'entreprise, et de répondre aux clients de l'entreprise dans le message. Donc l'interne, l'externe, connecté, évidemment, pour que ce soit cohérent, aligné. Tu voulais réagir, Guillaume ? Pour rebondir sur la confiance, parfois on a des clients qui, dans le cadre d'une collaboration avec les influenceurs, veulent énormément suivre et cadrer tout le partenariat. Et en fait, ça, c'est typiquement la mauvaise approche, parce que si on passe d'abord du temps à choisir le bon influenceur en analysant ce qu'il a fait par le passé, la manière dont il crée, et qu'on se dit « oui, il y a un ADN qui match avec ma marque », alors dans ces cas-là, j'ai beaucoup moins besoin d'être arbitre et de venir cadrer le partenariat, plutôt que de choisir à la va-vite les influenceurs, et puis ensuite de devoir contrôler tous les contenus, contrôler toutes les prises de parole. Donc il y a un travail, il faut faire ce travail d'abord en amont pour pouvoir ensuite laisser la confiance. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas spécifique aux influenceurs. Moi, j'adore la phrase de Steve Jobs qui dit « je ne recrute pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire ». Et Dieu sait si ce n'était pas forcément mon modèle de management, Steve Jobs. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise ne marche plus de manière dictatoriale. Aujourd'hui, on est tous co-entrepreneurs. Hein. Les sociologues, justement, parlent de la fin du salariat traditionnel avec le pouvoir hiérarchique vers plus des modèles de co-entrepreneuriat où on est tous partie prenante du succès de sa boîte. Ça s'inscrit dans les révolutions culturelles qu'on vit. Et c'est valable pour les influenceurs. Quand on recrute quelqu'un qui a un talent, on l'a sélectionné, on a eu un process de sélection exigeant, on est nous intelligents pour le sélectionner et il faut être assez intelligent pour le laisser faire son job aussi. Quoi. Alors je vais prendre une question, je vais essayer de l'afficher cette fois, si on peut. Elle s'affiche pour vous ou pas ? Non, bon. Ah, non, oui. Alors, en fait, c'est un chèque en blanc, on peut poser. C'est pas grave, j'ai bonne mémoire, parce qu'à partir du moment où je clique dessus, elle disparaît. Donc j'ai une bonne mémoire. La rémunération est mal vue, voire malvenue, en tout cas comme premier prétexte d'approche des influenceurs. Est-ce que ça ne porte pas un message plutôt négatif ? Est-ce que ça ne peut pas avoir l'effet inverse de dévaloriser, quelque part, la nécessité d'une stratégie d'influence pour une marque ? Gauthier. Effectivement, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit sur ce sujet-là, dans tous les cas, l'influenceur est un média, donc... la création de ce média a été faite en amont sur un choix de contenu libre sur lequel à la base il a été fait gratuitement, personne n'a été payé, c'est un travail qui a été fourni pour créer un média sur lequel finalement il y a les personnes qui sont venues pour nous écouter, qui sont venues pour
nous lire. Petite parenthèse, qui suis-je ? Oui. On est de Lille City Crunch. C'est un magazine en ligne qui est lillois, qui traite des sujets lillois. Donc, nous-mêmes, sans s'auto-proclamer influenceur, parce que c'est toujours un mot qui est très, très compliqué, je trouve. Je ne sais pas votre sensation là-dessus, mais moi, c'est un mot avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Je me considère pas influenceur parce que j'ai l'impression qu'il est un peu connoté négativement. Mais quoi qu'il en soit, on a des personnes qui nous suivent, on a des personnes qui nous lisent. Et donc, pour répondre à ta question, il y a des personnes qui viennent nous voir pour qu'on parle de leurs produits, de leurs services, de leurs projets, de leurs événements. Donc, qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur répond « Oui, très bien, vous venez nous voir pour qu'on parle de vous. Nous, on a l'habitude de parler de nous, de choisir notre contenu. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous, déjà, on va vous écouter pour comprendre si ça nous plaît. » Et faisons connaissance. Faisons connaissance, ouais. Déjà, on va comprendre si ce sujet nous plaît. Et dans un deuxième temps, on va se dire, bah oui, mais on va travailler pour vous, avec vous. Donc forcément, on va prendre du temps. Et ce temps-là, comme tu l'as dit à juste titre, ce temps-là, bah, ça vaut de l'argent. Et donc, bien sûr, on a tous cette nécessité de manger. Donc quand on nous dit, bah, très bien, je vais t'offrir des places pour aller au parc Astérix, ça ne me fait pas manger. Donc, au bout d'un moment, il y a cette notion financière qui ne va pas forcément casser la relation avec l'annonceur qui vient nous voir ou l'agence qui vient nous voir, mais qui va dire, bah voilà, qu'on soit d'accord, nous, notre modèle économique, c'est de te vendre un espace sur notre média qui est avec du contenu qualitatif sur lequel on va réfléchir, sur lequel on va prendre du temps. Et donc, effectivement, cette relation financière, elle est nécessaire parce que nous, ça va nous aider par la suite à rester sur un contenu finalement libre, gratuit, qui est 90% de notre contenu qui est gratuit et 10% qui est choisi pour justement être quelque chose de payant et rémunérateur. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, donc il s'agit de mettre le curseur au bon endroit. Voilà. D'accord. Pour que la démarche reste crédible tout en gardant sa liberté de ton en tant qu'influenceur. Quoi. Exactement. D'accord. Et cet affect qu'on crée avec les gens qui aiment nous lire, on doit aussi le créer avec les personnes qui viennent nous voir. Donc il y a une double connexion. Quoi. Parce que si on veut faire ressentir quelque chose de positif, il faut qu'on ait déjà une relation positive avec l'annonceur ou avec l'agence. Donc il y a de la subjectivité, mais du formalisme aussi, quelque part. Mais Lionel, oui, présente-toi aussi parce que je Pardon, ne t'ai pas présenté. C'est Lionel, je suis le directeur d'une agence qui s'appelle On prend un café, qui fait du social media depuis un peu plus de 8 ans. On prend un café. Exactement. C'est toute la difficulté également pour l'annonceur. Enfin, moi, je me mets aussi à sa place. Il a eu l'habitude à un moment de payer quelque chose sur lequel, quand je paye une pub, je fais exactement ce que je veux, je la diffuse où je veux, j'ai la main. Là, d'un coup, je dis à quelqu'un, alors faut que je le paye, mais en même temps, j'ai pas tous les droits sur tout ce qu'il va écrire. Alors, je vais pouvoir le cadrer avec du contrat. Et c'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est quand même une toute. C'est très récent l'influence digitale, j'entends, sur ces métiers-là. Et c'est compliqué aujourd'hui pour des codirs, c'est compliqué aujourd'hui pour des équipes marketing qui n'ont pas ces habitudes de lâcher la main, en fait. De se dire, ma com, c'est plus moi qui la gère à 100%. Il y a une partie que je ne maîtrise plus complètement, ce qui fait partie aujourd'hui de nos réalités qu'on intègre, mais qui n'est pas forcément intégrée par tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés dans la rémunération de certains influenceurs, elle est là également, c'est de se dire, je paye, mais je n'ai pas toujours la main sur tout. Et je pense que c'est un vrai frein dans l'incompréhension de ce type de nouveaux médias et de nouvelles communications. Bruno, tu souhaitais réagir également, pardon ? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir, parce qu'on est entre experts, on se l'était dit en préparant cette table ronde, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples pour illustrer vos propos ? Hein ? Alors, je fais une petite parenthèse, on m'a dit, dommage, il n'y a pas assez de femmes sur la table avec vous, je suis d'accord, je le déplore, mais il y en avait qui se sont désistées. On a dû, voilà. Oui, Domiti, tu es où ? Tu t'es désisté. C'est juste pour toi. Oh, c'est pas beau de balancer. C'est pas beau. Je tiens juste à préciser que pour ce sujet-là, On a fait un appel à speakeuses pour tous nos événements en 2019, en co-coaching, c'est-à-dire que c'est souvent des speakeuses qui vont coacher les autres, qui est tout à fait altruiste sur des sujets digitaux, communication, événementiel. Donc, je vous laisse chercher. Je voulais pas spammer à quelle audience, mais c'est un truc qui, à mon avis, on a besoin de femmes qui osent. Et il y en a plein qui m'ont dit, bah justement, j'osais pas. Bah, venez. C'est important. On ferme la parenthèse. On revient dans notre sujet. Bruno.
Alors, je voudrais juste compléter ce qui a été dit. Je dis que j'étais totalement d'accord. Et essayer de me mettre à la place un petit peu des gens qui sont followers. On est followers parce que, tout simplement, on partage avec la personne qu'on suit une passion, un goût, un sport, etc., etc. Et donc, on attend de lui qu'il parle de cette passion, de ce goût, de ce sport, etc. On va reprendre le cas de la sociologie, mais à l'envers. Si on suit tel follower parce que c'est une tête pensante en matière de sociologie, qu'il a des recherches, des productions qui sont géniales et tout, si on le voit affiché sur son site ou sur les réseaux sociaux le fait qu'il fait de la pub pour une boîte de saucissons, il y aura un vrai problème. Et là, on arrive dans une différence de culture. Par exemple, aux États-Unis, qu'on soit payé pour faire quelque chose et qu'on fasse du profit, c'est normal. C'est plutôt mal vu si on ne le fait pas. En France, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que si on commence à vouloir gagner de l'argent et faire du profit, le mot profit en France a très mauvaise presse. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse, je l'ai dit. Donc, être follower, oui, mais si on voit que la personne qu'on suit se met à être payée pour vendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi on est follower, eh bien, on risque d'arriver à... Et là, c'est une théorie militaire qui s'appelle la théorie du point culminant de Clausewitz. Vous voyez, comme ça, vous allez apprendre des trucs. C'est qu'à partir d'un certain moment, on devient contre-productif. Ça veut dire qu'on récupère des followers parce que, tout simplement, on est toujours aussi bon. On surfe sur la vague, OK. Puis à un moment ou à un autre, si on se met à rentrer dans cette logique de se faire payer, je parle en France en tout cas, quelque chose parce qu'on vend un produit, on vend un service et tout, et que ça ne correspond pas à l'image qu'on renvoie, là, on risque d'arriver sur ce fameux point culminant et d'avoir des choses qui sont... de faire des actions qui sont plus contre-productives que productives. Et donc de perdre ses followers, et à la fin, si on continue comme ça, c'est de ne plus être récupéré, tout simplement, parce qu'on a perdu des followers et parce que, tout simplement, on n'est pas tombé du bon côté. Après, Raymond, d'abord, je donne la parole à Guillaume parce qu'il doit nous quitter plus tôt. Hein, vous aurez l'occasion de poursuivre. Si on a un exemple, ça serait bien. Hein, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien qu'on nous donne quelques exemples de stratégies ratées ou réussies en la matière. Alors, avant l'exemple, je voulais juste rebondir sur quelque chose que disait Gauthier. Gauthier, elle n'aimait pas le terme influenceur. J'ai jamais vu, de tous les influenceurs avec qui on parle et pour lesquels on anime des conférences ensemble, j'ai jamais vu un influenceur qui aimait qu'on l'appelle influenceur. Et d'ailleurs, les Américains utilisent souvent le mot talent ou creators. Déjà, dans le mot influenceur, il manque quelque chose. Il manque le fait que quand on fait un partenariat avec l'influenceur, c'est sa communauté et sa capacité à créer. Donc son talent et sa communauté. Dans influenceur, il manque le côté talent, qui est finalement une grosse partie du prix du partenariat avec l'influenceur. Dans creators, il manque aussi le côté communauté. Donc on essaye de trouver le terme. Malheureusement, le marché s'appelle le marketing d'influence. Et donc si les gens cherchent des acteurs du marketing d'influence, donc nous on se qualifie aussi de ce qualificatif, mais je pense qu'il faut qu'on trouve un autre terme pour qualifier les acteurs de ce marché. Alors je vais me permettre une précision, là je sors du rôle d'animateur, tu veux dire les bons influenceurs? Les bons influenceurs, parce que pour certains c'est devenu... Oui, les bons influenceurs. C'est devenu un fonds de commerce de se faire appeler Key Opinion Leader, de se faire appeler Top Influenceur dans le baromètre, etc. Parce qu'il a des baromètres, donc du coup c'est un peu la course aussi à l'audience. Voilà, donc il faut être capable aussi, en toute lucidité, d'aller chercher les gens et mettre en place des partenariats pour les bonnes raisons. Hein. Il y a influenceurs et influenceurs, j'ai envie de dire. Soyons vigilants. Du coup, moi, j'ai un exemple. Oui. Il y a un exemple. Merci, qui Julie. Est un contre-exemple aussi, mais réussi. Oui. Et peut-être une sémantique aussi. C'est pour moi la bonne sémantique. Pour moi, dans la notion de marketing d'influence se cache plein de choses. La première, c'est de dire, aujourd'hui, on cherche tous une notion de viralité. D'accord, c'est-à-dire une capacité via les nouveaux médias digitaux à faire circuler un message plus largement pour atteindre plus d'audience. Si possible, pour moins cher. Hein. C'est le subsidiaire hyper important. Et les influenceurs, avec la notion de payant, sont une composante qui répond à ça. C'est pas la seule. Aujourd'hui, on a la notion d'ambassadeur, c'est-à-dire avec des lignes éditoriales et avec des contenus co-créateurs de valeur qui peuvent agréger des ambassadeurs qui vont, eux, apporter leur influence. Et là, personne n'a payé nulle part. L'exemple que moi, j'adore, je pense que c'est celui sur lequel je me suis le plus marré dans ma vie professionnelle, c'est Paris 2024. Mmh. Paris 2024 a une communauté d'ambassadeurs extraordinaire. Il y a même des ambassadeurs qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'en stratégie d'influence, c'est un cas extraordinaire. On a passé notre temps à refuser des influenceurs et à aller en chercher d'autres, ceux qu'on souhaitait. On a refusé tous les ambassadeurs politiques.
Et Dieu sait si c'est les plus gros en termes de taille de communauté. Mais comme on l'a dit, comme tout le monde le dit depuis des siècles, c'est pas toujours la taille qui compte. En l'occurrence, il y a un objectif, et je crois que ce qui compte dans la vie, c'est de connaître ses objectifs et comment on les atteint. L'objectif de Paris 2024, c'était d'influencer le CIO, le Comité International Olympique, qui n'a pas de compte Twitter, je vous rassure. Pour autant, il y a beaucoup d'influence digitale en jeu, par rebond, puisque ça influence les médias, et etc. Et l'objectif, c'était que ce CIO sache que la candidature était soutenue par des sportifs. Donc voilà, c'était, j'allais y venir, quel type d'influenceurs ? Les sportifs, quels objectifs ? Les sportifs et les sportifs, et les communautés du sport. Pourquoi ? Parce que les échecs précédents de Paris étaient liés au fait qu'ils étaient soutenus essentiellement par des politiques. Mais tous les présidents de la République font leur jogging ? Je comprends pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que la communauté sportive doit être visible, et vraiment visible. Et ce qui est génial, c'est qu'on en a une très belle communauté de sportifs, avec, et donc c'est pas compliqué, on a travaillé quasiment avec les 500 champions français, relancé par téléphone, mail, en amont, pour agréger leur capacité d'influence. Donc une réussite ? Une super réussite. On fait 9 fois mieux. Vous vous souvenez du logo sur l'Arc de Triomphe ? Le reveal du logo de Paris 2024 sur l'Arc de Triomphe, je crois que c'est en février 2016, le 21 février 2016 de mémoire. À ce moment-là, le tweet, il génère 180 millions d'impressions potentielles, c'est du potentiel bien sûr, sur 24 heures. Pourquoi ? Parce que les 400 influents, et je dirais influents et ambassadeurs, ils ont donné un pré-consentement. On n'a pas escompté leur viralité hasardeuse, on les a appelés pendant un mois et demi avant, on leur a dit « il va y avoir ce tweet sur l'Arc de Triomphe, est-ce que tu es d'accord pour leur tweeter ?» Et on a agrégé ce pré-consentement. Ils ont apporté aussi, quelque part, leur caution et leur légitimité au sujet. D'une part, mais d'autre part, c'était obligatoire pour eux d'en faire partie. Cette notion de co-création de valeur. Ils devaient être ambassadeurs de Paris 2024. Alors c'est facile pour Paris 2024, mais on trouve la même chose dans l'employabilité chez les collaborateurs. Tu me parlais d'un échec aussi, ou d'un contre-exemple. Non, un contre-exemple. C'est un contre-exemple, parce que ce n'est pas payant. C'est par la création de valeur non monétaire qu'on engage des ambassadeurs influents. Et ça arrive dans énormément de cas de figure. Dans mon cas de figure, un peu rigolo, sur le codir digital, mais c'est très sérieux derrière. Quelque part, on rémunère les patrons en leur donnant de l'influence et en montant leur employabilité, leur visibilité marché. Donc c'est une autre forme de rémunération. C'est juste du marketing d'influence, mais avec une rémunération qui est non monétaire, qui est par la co-création de valeur. C'est ça que j'entendais par contre-exemple. L'échange n'est pas nécessairement monétaire. Raymond, tu avais aussi un ou deux exemples à partager avec nous ? Deux petits exemples. Un exemple d'influenceur payé, où ça a plus ou moins bien réussi, et un exemple d'un influenceur qui n'a pas été payé. Vous connaissez probablement tous PewDiePie, le célèbre YouTuber qui fait des recommandations de jeux vidéo. Alors, il y a quelques années, il s'est bâti, lui, sa communauté, justement parce que ses recommandations étaient des recommandations honnêtes et franches, et son auditoire le croyait et croyait pertinemment que ce qu'il recommandait était le meilleur. Or, Warner Brothers l'a approché pour faire la promotion de son nouveau jeu, Shadow of Mordor, en 2016-2015. Et de connivence avec PewDiePie, ils ont tous les deux décidé de ne pas mentionner qu'il s'agissait d'une recommandation qui était purement commanditée. Or, il s'agissait en fait d'une recommandation déguisée, d'une publicité déguisée en recommandation. Et c'est à ce moment, lorsque c'est ressorti, que la Federal Trade Commission a commencé à réguler davantage sur le paiement des influenceurs dans un cadre publicitaire, se rapprochant de la forme de publicité. Or, étant démasqué, à la fois PewDiePie a perdu énormément de followers et Warner Brothers a eu une amende très, très salée. Il n'y a pas de problème à ce qu'un influenceur soit payé, mais s'il est payé, ça doit être déclaré d'une façon visuelle, claire et précise. Il y a également des cas d'influenceurs qui n'ont pas été payés et pour lesquels ça a très bien marché. L'exemple du restaurant, un restaurant sans gluten aux États-Unis,
ça fonctionne beaucoup. Et le Springbone Kitchen à New York a un jour sorti une nouvelle recette de crème glacée framboise rhubarbe. Alors, lorsqu'ils ont lancé le produit, ils ont fait une petite dégustation et ont réalisé par la suite que certains influenceurs présents avaient pris des photos et publié des photos. Or, lorsqu'ils ont commencé à préparer un nouveau menu, ils se sont dit, ben, on va tenter de voir si on pourrait effectivement réussir le coup, encore une fois, avec des Instagram, des Instagrammeurs. Par contre, ils n'avaient pas les moyens de payer les Instagrammeurs, les influenceurs qu'ils invitaient. Ils ont donc décidé de les regrouper, de les inviter à une dégustation de leur nouveau menu. Et sans rien leur demander, sans rien exiger de leur part, voir s'ils auraient des retombées. Ils ont eu effectivement une belle réussite avec leur dégustation, mais aucun influenceur n'en a fait état dès le lendemain. Deux semaines après l'événement, un couple d'amateurs qui collaboraient régulièrement avec le webzine New York Foodies a décidé de publier la photo d'un des mets qu'ils avaient dégusté ce soir-là sur leur compte Instagram. Et le New York Foodies, trouvant la photo très intéressante, a décidé de le reprendre sur son site et a donné les coordonnées de l'endroit où ça s'était déroulé et au moment où ça s'était déroulé. À ce moment-là, là, leur compte Instagram s'est mis à grimper et leur réputation est devenue celle d'un restaurant très fréquenté. Et depuis, ils ont 3 ou 4 boutiques. Mais comment dire, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement ? À l'origine, stratégie mal goupillée peut-être ? Parce que c'est un coup de chance. Ben, c'est un coup de chance. Ils ont misé sur la qualité de leurs produits. Ils ont misé sur Mais cette fait... photo a posteriori... Puisqu'ils n'avaient pas payé les influenceurs, ils ne pouvaient pas s'attendre. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut formaliser et contractualiser un peu les choses, même si c'est dit, pas forcément écrit, bien que je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord sur ce point-là. On en reparlera tout à l'heure, Lionel. Tout ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont invité les influenceurs en leur stipulant qu'ils n'avaient pas les moyens de les payer, mais qu'ils les invitaient à une réception, dégustation, où ils passeraient une belle soirée. Ils ont eu une réception où, effectivement, ils ont rempli leur place, mais ils ne pouvaient pas s'attendre à avoir de réaction commandée d'avance et se dire, bon, ben dans 3 jours, on va être tel influenceur qui va parler de nous, dans 4 jours, ce sera l'autre. Ils ont laissé au sort... en misant sur la qualité de leur service, la qualité de leurs produits, de la qualité de leur réception cette soirée-là. Et ils ont obtenu les résultats, mais ils n'ont pas payé. Alors, j'avais une question intéressante, justement, en lien avec ça. Quelqu'un nous pose la question dans la salle. Est-ce qu'un test produit suffit aujourd'hui pour contractualiser la relation avec un influenceur? Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin et comment, du coup? On parle de ce fameux deal, quoi. Un test produit, aujourd'hui, ça reste un deal, on va dire, suffisamment engageant. Ça reste un deal, mais ce n'est pas contractuellement arrêté. Voilà. Moi, je remets, aujourd'hui, il y a des règles contractuelles, ça reste des professionnels, il y a des contrats à mettre en place. Et deuxièmement, il y a des règles, je vous invite à aller sur le site de l'ARP, qui s'appelle l'ARPP, l'Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité, si je ne me trompe pas, et sur toutes les règles autour des influenceurs. Et en fait, en effet, il y a eu beaucoup de Far West dans ce domaine. Moi, j'insiste dessus, faites quand même très attention si vous travaillez justement avec des influenceurs, il y a des gens dont c'est le métier mineur d'organiser tout ça. Et alors, en effet, c'est très drôle, on arrive encore à faire des campagnes sans finalement, relation contractuelle. En effet, j'invite quelqu'un, tiens, j'ouvre un restaurant, tiens, j'ouvre un bar, venez, je vous offre un truc. C'est contractuellement, c'est pas grand-chose. J'ai invité quelqu'un au même titre que j'aurais invité un journaliste. Quelle est ma relation contractuelle avec un journaliste? Très faible. Je peux inviter des gens. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je peux les inviter, j'ai pas une relation contractuelle, je leur demande rien en retour. Alors, donc, finalement, pour certaines entreprises, c'est une zone de confort un peu aussi.
Ils prennent pas beaucoup de risques. Ils prennent pas beaucoup de risques, mais ils prennent le risque. Mais de ils ne s'assurent pas non plus des. Exactement. Tombées. Mais en même temps, moi, mon point de vue, et là, ça, moi, c'est ma position d'agence et de conseil en communication que je donne à mes clients, c'est de dire ouais, mais quand vous arrivez à inviter 3, 4, 5 personnes qui décident de venir sans qu'on les rémunère parce que vous les avez bien choisis, parce que vous savez qu'ils sont intéressés par réellement votre produit, parce que vous savez que vous avez le discours d'expert qui va leur parler. Franchement, vous allez avoir des retours. Les gens, c'est leur passion. Ils ont fait ça pour ça. Vous leur parlez réellement. Pourquoi à un moment, le mec va se dire « Ah ben non, attends, ça me plaît, c'est hyper intéressant, c'est génial comme endroit, mais non, je ne vais pas en parler parce qu'il ne m'a pas rémunéré. » Ben non, lui, il vit de ça et ça l'intéresse de parler de ça. Peut-être qu'il n'en fera pas autant que s'il était rémunéré, mais il en parlera naturellement parce que c'est le pourquoi il a commencé à faire ça. Il n'est-ce pas ? Moi, j'insiste là-dessus. On n'est pas influenceur, on ne se dit pas... Allez, demain, je deviens influenceur. Ok, bah trouve pourquoi, trouve ta légitimité. Et soudain, pour la moitié de la salle se vide. Mais non, mais honnêtement, il faut juste avoir un moment. C'est que je dis ça, j'ai été blogueur il y a 15 ans. Hein, donc, j'ai fait partie des vieux blogueurs qui étaient invités par plein de marques, etc. Mais on n'est pas un moment. Enfin, il faut qu'il y ait un moment, une passion de quelque chose. Et c'est au travers de cette passion qu'il y a des gens qui vous reconnaissent. Et c'est la reconnaissance des autres qui, potentiellement, va vous donner une notion d'influence et d'expertise. Vous, vous proclamez rien du tout. Hein. Vous proclamez propriétaire d'un compte Instagram, d'un blog et d'un compte YouTube. Peu importe. Après, c'est pas vous. Alors, la transition est tout trouvée pour la suite. Je reviendrai vers toi, Lionel, parce que tu... Non, mais c'est bien. No bullshit aujourd'hui. Hein. Moi, c'est un message que je vous ai fait un peu passer à tous. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour servir de la soupe sur le sujet. Je reviendrai vers toi. On parlera de l'importance des réseaux sociaux, hein, qui est ta spécialité dans le domaine, notamment. Et Julien aussi, je reviens vers toi. Je vois que tu souhaites réagir, mais comme Guillaume, tu es encore avec nous pendant à peine 10 minutes. Hein, tu dois prendre un train. Est-ce que tu souhaites partager une expérience ou un exemple particulier avec nous, ou nous passer un message avant de partir? Oui, sur les quelques minutes qui me restent, je voulais juste rebondir sur le message de la divulgation du partenariat et l'éthique dans ce métier qui est à mon avis quelque chose d'extrêmement important. C'est une loi qui existe depuis 2002, hein, c'est pas nouveau, ça n'a jamais été appliqué. La RPP a donné des recommandations, puisque la RPP ne définit pas de loi, mais les recommandations sont extrêmement intéressantes parce qu'elles demandent que le partenariat soit précisé en français, c'est-à-dire le hashtag ad, hein, ça ne marche pas, parce qu'en France, tout le monde ne parle pas anglais, donc on met sponsorisé, partenariat sponsorisé. Et aussi, personne ne le fait, mais on dit par qui c'est sponsorisé. Parce qu'aujourd'hui, quand un influenceur, dans une vidéo YouTube, fait un haul et parle des 7 produits qu'elle a reçus par des marques, et ben c'est sponsorisé par telle marque. Parce que sinon, ça prête à confusion. Et la RPP va encore plus loin, c'est que même sans échange financier, s'il y a un échange de marchandises, c'est aussi sponsorisé. Donc c'est pas que de l'argent. Et pourquoi j'insiste là-dessus juste avant de partir, c'est parce qu'il y a une croyance populaire qui est de se dire, si on dit que c'est sponsorisé, alors ça ne va pas bien marcher. Et d'ailleurs, le fait de cacher le partenariat vient de là. Et en fait, quand on regarde les stats, nous on le fait à chaque fois sur nos opérations, c'est un KPI de succès, c'est de se dire, est-ce que le contenu engage autant, est-ce que le contenu a généré autant de vues qu'un contenu non sponsorisé. Je vous ai donné l'exemple de Adopte un mec, c'est une vidéo qui, dans l'ensemble des vidéos de MILTR, qui est une grosse influenceuse qui publie beaucoup de vidéos, dans l'ensemble de ces vidéos, ça fait partie des 10 contenus qui ont généré le plus de vues. Et pourtant, c'est un contenu qui est sponsorisé, les autres contenus le sont ou le sont pas, peu importe, mais le fait que ça soit précisé que c'est sponsorisé, qu'elle est précisée dans la bio à plusieurs moments que c'était un partenariat avec Adopte un mec, n'a pas fait que le contenu a mal fonctionné. Donc c'est d'abord réfléchissez à la qualité du contenu et ensuite marquer sponsorisé par sponsorisé, c'est juste respecter la loi, mais c'est pas ça qui va faire que le contenu va être impacté dans ses résultats. Donc content is king. Exactement. Still, ID and content is still king. Oui, l'idée et le content. On a eu un gros bad buzz là-dessus avec Samsung il y a 3 ans quand même, au lancement du Samsung Galaxy Edge S7. Oui. Excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Qui a fait des campagnes de micro-endorsement avec une agence, à mon avis, qui a mal fait son boulot. C'est mon point de vue personnel d'ailleurs. Et une trentaine de people ont tweeté, on est en live au concert de Mika. Je ne sais pas si ceux qui se souviennent de ça, c'était impressionnant. Il y a eu 3 jours de bad buzz sur Samsung qui s'est fait taper du doigt en disant, mais en plus, ils n'étaient même pas là, ces gens-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'erreur, elle vient probablement de cette notion de labellisation du partenariat, parce que je crois que c'est vraiment ça. Et par contre, le discrédit, il est intéressant que ce soit Samsung qui l'ait pris. Alors qu'en fait, le vrai discrédit, il est quand même pour les people qui ont un peu pris leurs audiences dans l'opacité et ils ont pris leurs audiences pour des cons. Et je partage ce que tu dis en disant il faut faire attention à ces recommandations. Mais en fait, je crois que les influenceurs qui veulent perdurer n'ont pas le choix.
Ils doivent être transparents avec leurs audiences, sinon c'est eux qui vont mourir. Ils vont abîmer leurs audiences à faire des contenus sponsors, et on l'a bien vu avec ton exemple, c'est exactement ça. Si on est dans l'opacité, bah, ça ne marche pas, quoi. Et on parlera d'ailleurs un peu de relations quasi amoureuses, hein. On en a parlé un petit peu avec Lionel, tu souhaites réagir? Ouais, celui qui perd le plus à ne pas informer que son contenu est sponsorisé, c'est l'auteur du contenu, hein, c'est pas la marque. Hein. La marque, honnêtement, au pire, ça va planter sa campagne de com, mais bon, honnêtement, c'est pas très très important. Elle va s'en remettre. Complètement. Par contre, l'influenceur en question, c'est lui qui en fait a dupé son audience. C'est lui qui a menti à son audience. C'est comme si aujourd'hui, je vais faire une analogie, c'est comme si aujourd'hui Le Monde invente un faux papier, le diffuse, et du coup, n'informez pas que c'est un faux papier. Vous n'avez plus confiance dans tout ce que les journalistes vont vous raconter. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a marqué pub et reportage au-dessus. Hein. Exactement. Et à la télé, Georges Clooney, quand il intervient pour Nespresso, il y a pub avant et pub après. Exactement. Juste, on va saluer Guillaume de Quito, nom de Rich, en leur remerciant de. Parce que depuis ce matin, tu es à l'œuvre, hein, finalement, tu n'as pas arrêté. Alors, rappel Rich, donc agence spécialisée dans l'accompagnement des stratégies d'influence. Et donc, c'est Rich qui nous a fourni les données un peu exclusives ce matin, aujourd'hui, sur l'état du marché de l'influence dans la région de France, en tout cas, quelques données clés. Vous pouvez retrouver l'étude de Rich sur ton site, hein, rich.com, R2ECH. Voilà. Merci, Guillaume, à bientôt. Raymond, j'ai des questions, et on en a déjà parlé aussi tout à l'heure avec Julien, sur le collaborateur, l'interne, premier ambassadeur. On me dit aussi première IRP ou nouvelle IRP représentant du personnel auprès des dirigeants de par son poids et son influence sur les réseaux sociaux, par exemple. L'importance de connecter l'interne et l'externe, je pense que c'est quelque chose que tu défends aussi. Absolument. Parce que finalement, les meilleurs influenceurs, les influenceurs qui vont avoir le plus d'impact sont les influenceurs que l'on pourra retrouver parmi ses collaborateurs, parmi son personnel. Et les programmes d'ambassadeurs en entreprise sont en pleine croissance depuis plusieurs années parce qu'ils obtiennent des résultats formidables. Mais dans ces cas-là, les employés ne sont pas rémunérés. Ils ont leur propre rémunération, mais ils acceptent de parler en bien de la marque et du produit parce qu'ils y croient, parce qu'ils se sont impliqués. Ils sont impliqués par la compagnie, par les représentants. Et lorsque les représentants parviennent à convaincre les employés du personnel, du service à la clientèle, en passant au personnel de soutien, ils obtiennent des meilleurs résultats, des résultats beaucoup plus probes. Il n'y a pas que des succès. Hein. Il y a des beaux succès dans les campagnes d'employés advocacy ou des choses comme ça. Par contre, il ne faut surtout pas prendre ses collaborateurs pour des pancartes publicitaires. Hein. Et il y a beaucoup de boîtes qui croient encore ça quand ils achètent un outil d'employé advocacy, alors que le vrai sujet, bah, c'est de l'acculturation. C'est de donner envie à ses collaborateurs de prendre la parole. Mais pour ça, il faut les libérer. Parce que tout le monde est là, mais de quoi j'ai le droit de parler? Comment j'ai le droit d'écrire? La seule manière que je connaisse, c'est que le CODIR soit exemplaire. Et c'est pour ça que nous, on travaille toujours en disant le CODIR d'abord, mais les autres aussi. Et surtout, beaucoup de formation et d'accompagnement. La plupart des collaborateurs n'osent pas prendre la parole par peur, parce que c'est des gens, en général, bienveillants envers leur marque, qui sont reconnaissants de l'entreprise. Et on a une vision, là, on parle de la vision, on veut dire, positive de l'influence. Le collaborateur est potentiellement aussi le premier détracteur de sa boîte s'il n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait. Non, vraiment, tu souhaitais réagir. De la même manière, qu'avec le public. S'il y a mensonge ou que l'on cache qu'il s'agit d'une recommandation qui est commanditée, le niveau de confiance et de relation avec l'influenceur va tomber à zéro. J'ai peut-être un bon exemple du type de collaboration où ça peut commencer avec un influenceur qui n'est pas payé. Il y a Mark Schaefer aux États-Unis qui est un blogueur très, très reconnu qui a collaboré avec IBM pendant plusieurs années à plusieurs campagnes différentes avec une intervention parfois, bon, limitée, sans nécessairement être payé. Or, il a toujours déclaré la source tout en spécifiant qu'il n'avait pas été payé. Or, depuis peu, la collaboration
avec IBM est devenue plus étroite. Et dorénavant, Mark définit clairement le niveau de commandite qu'il obtient d'IBM sans nécessairement bâtardiser ses contenus et mentir à son audience, tout en étant toujours très honnête sur ce qu'il pense des produits IBM qu'il teste. Il est en mesure de pouvoir donner à la fois des recommandations à IBM pour améliorer son produit, tout en respectant son public qui, lui, a une totale confiance en ce que Mark va leur raconter ou leur expliquer après la recommandation qu'il vient de leur faire. Alors, on parlait de confiance, et en préparant cet événement aujourd'hui, notamment avec toi, Gauthier, à un moment donné, tu m'as dit une phrase qui symbolisait bien un petit peu toute la subjectivité aussi qui doit alimenter, sans remettre en question le formalisme, la clarté des contrats, des échanges, etc. On est là pour parler de quelle stratégie pour quel type d'entreprise. Ce qui est intéressant avec Lille City Crunch, c'est que là, on est sur une entreprise régionale qui accompagne des enseignes aussi, bon, régionales, mais pas que, mais qui a une réalité locale forte. Est-ce que tu peux nous donner un exemple du type de service ou de campagne que tu peux amener et un retour d'expérience, positif ou négatif? Oui, effectivement, nous, on a une approche régionale. Donc c'est dans le nom, Lille City Crunch. Effectivement, l'exemple, ce dont on a parlé, on a été approché par des hôtels Accor de Lille. Donc, une personne qui manage donc, plusieurs hôtels, Novotel, Mercure, avec cette envie de créer des événements au sein des hôtels. Parce que c'est un peu dans notre culture, on pousse peu les portes des hôtels, alors que finalement il se passe plein de choses et que les Lillois pourraient aller aussi dans des hôtels qui sont à Lille. Donc le constat était celui-là, comment faire venir des gens chez moi? Donc elle a fait appel à nous là-dessus. Un objectif. L'objectif c'était celui-là, faire venir du monde. Donc comment faire venir du monde? Solliciter notre communauté à travers la création d'événements. Donc on a créé plusieurs événements. Type rendez-vous en bar inconnu dans un des nouveaux hôtels de Lille, type un goûter surprise dans un Mercure à Lille. Ça a très bien marché, il y a eu du monde. Et voilà, on s'est rendu compte aussi de la limite. C'était de dire, bah, au bout d'un moment, nous, on n'a pas envie de s'appeler Lille City Crunch by Accor. On n'a pas envie qu'on soit identifié comme, c'est les gars qui créent des événements chez les hôtels Accor. Donc, comment passer à une étape supérieure sans qu'ils deviennent dépendants de notre communauté en disant, dans ces cas-là, nous, on va vous aider à créer votre propre communauté en vous donnant justement des mécaniques que nous, on a réussi à mettre en place sans donner notre communauté, en disant qu'on va pouvoir les accompagner à la fois sur la création de contenu, à la fois sur la création de support, à la fois sur un ton à donner, parce que au bout d'un moment, c'est on va vous accompagner justement à ce que vous devenez influenceur et que vous ne soyez plus dépendant de nous et qu'on devienne aussi qu'on ait un rôle d'agence et de communication dans cette approche-là. Alors, est-ce que en tant que catalyseur de communauté, finalement, plutôt qu'incarner, enfin, l'idée là, c'est de dire voilà, attention, ne finissons pas par incarner la marque. Vous êtes un catalyseur du coup, dans tes prestations. Où on met le curseur finalement? Comment ne pas devenir quelque part le porte-drapeau unique, etc., d'une communauté qui finalement au détriment de la marque qui te sollicite? C'est un peu compliqué. C'est de pouvoir créer vraiment cette distance en quelque sorte pour toujours garder cette indépendance. En disant, le postulat de base, c'est de dire qu'on est maître de notre contenu, on est maître de décider ce dont on a envie de parler. Donc si au bout d'un moment, on devient dépendant d'une marque parce qu'on est maqué avec Accor, avec Coca et avec McDo, là, on perd toute notre crédibilité, on perd notre légitimité, donc on n'a aucun intérêt à y aller. Et en plus, on aimerait plus ce qu'on fait. Donc c'est là où on aura tout perdu, quoi. On aura perdu crédibilité, on aura perdu la passion. Tu parlais de passion, et effectivement, c'est une sacrée passion d'aller découvrir
qui n'aimerait pas découvrir les nouveaux bars et les nouveaux restos de Lille. Donc avant tout, c'est ça qu'on transmet, et c'est pas le fait de dire bah, allez dans tous les McDo de Lille, ça fonctionne plus quoi. Tu m'as dit plus que la passion, tu m'as dit quand on a préparé, à un moment donné, c'est comme dans une histoire, une relation amoureuse, il n'y a pas d'amour sans histoire. C'est toi qui m'a dit ça, hein, je sais pas, du coup. Mais Raymond, tu vas réagir. Raymond, il dit passion, coucou. Ah, tu fais du coucou, pardon. Alors, attends. Raymond, ah, c'est bon, c'est super bon. Je vais t'engager comme influenceur pour ma com. Ok. Est-ce que ça va jusqu'au don de soi, l'influence ? C'est pour moi ? Oui, alors, jamais le premier soir. Ça, c'est une... sauf chez Accor. Non. Là, ça fait quelques soirs qu'on passe ensemble. Bah, on ne consomme pas le premier soir. Non, mais effectivement, comme tu l'as dit, comme on s'en est, y a pas d'histoire sans amour. Donc l'amour, c'est ce qu'on... Après, voilà, c'est un peu des superlatifs, mais c'est ce qu'on essaye de créer aussi. Enfin, et comme c'est dit aussi, c'est pas réfléchi tout ça, quoi. On a envie de dire quelque chose, il y a un affect qui est en train de se créer. Que ce soit en termes de digital, que ce soit en termes terrain, parce qu'on crée beaucoup d'événements, donc on sait aussi qui sont les gens qui nous lisent. Donc voilà, il y a une histoire d'amour, et je pense que pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'histoire d'amour, il faut aussi qu'elle se crée avec l'annonceur. C'est qu'on n'a pas, on n'a pas envie de parler de n'importe qui à cette relation justement d'affect qui s'est créée. Lionel, et Raymond, je te donnerai la parole juste après. Lionel, on parlait des... On a commencé un peu à parler du digital, des réseaux sociaux, de leur rôle, quelque part. C'est un peu la matière, enfin, l'outil que tu utilises pour proposer, en tout cas, des stratégies d'influence à tes clients. On peut se dire aujourd'hui, on le disait un peu tout à l'heure, c'est facile de se créer un compte Instagram. C'est facile, quand on commence à connaître un petit peu les rouages des réseaux sociaux, les mécanismes plus ou moins éthiques, etc., de se constituer une grosse communauté. En quoi les réseaux sociaux représentent un vrai avantage aujourd'hui ? Ont permis de... comment dire, accompagner ces dynamiques-là, mais en quoi aussi ils représentent un risque ? Est-ce que tu as un exemple à partager avec nous ? Ouais, là, je ne sais pas s'il y a des risques. En tout cas, l'avantage, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple que par le passé. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins coûteux. Bon, je vais reparler, on va parler sur les créateurs de contenu. Un créateur de contenu, aujourd'hui, qui décide de faire quoi que ce soit, il prend son téléphone, il est capable de créer du contenu. Donc en fait, ce qui a changé sur les réseaux, c'est ça, et c'est la facilité de diffusion. C'est l'instantanéité de diffusion, et mais c'est une histoire de coût et de facilité. Je reprends vraiment un exemple. Il y a 10 ans, essayer de faire un live vidéo en live sur Internet, c'était un enfer, ça n'existait pas. YouTube a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous faites un live sur Facebook, vous pouvez avoir je ne sais pas combien d'audience. Donc en fait, ce qui a changé, c'est ça, c'est que chacun a le pouvoir de pouvoir communiquer, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc le digital a changé ça. Le risque, c'est de croire que parce que j'ai la facilité pour pouvoir publier, qu'à ce moment-là, je publie bien, qu'à ce moment-là, je deviens influenceur, je deviens créateur de contenu. C'est ça le risque, en fait. Tomber dans la facilité. Tomber dans la facilité. Bien sûr, c'est comme rouler. C'est prendre votre voiture, vous avez le permis, vous dites vous êtes pilote de course. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme de savoir faire des coquillettes et dire que vous êtes grand chef. Non, ça n'a rien à voir. Pourtant, vous avez bien une cuisine, des casseroles et des coquillettes. C'est la même chose, en fait. C'est qu'à un moment, il y a quand même du talent derrière tout ça. Il y en a qui n'en ont pas, hein, du talent dans les influenceurs. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Il y en a, ils ont construit des très jolies communautés qui, du coup, se font rémunérer pour parler de produits, qui enchaînent une succession de produits tous les jours. Et vous pouvez le voir, hein, des gens qui parlent de 4 produits à la suite. Mais finalement, bah, ils ont quand même une communauté parce qu'ils sont un peu sympas et ils parlent plein de produits. Mais finalement, derrière, est-ce qu'il y a une vraie passion ? Pas forcément. Est-ce qu'il y a un vrai talent ? Pas toujours. Et est-ce que ça transforme ? Est-ce que ça engage ? Est-ce que ça génère ? C'est pareil. Moi, ma vision, elle est à court terme, oui. À long terme, j'en suis pas certain. À court terme, bien sûr, puisque finalement, on est toujours face à une information qui est intéressante. On se dit, ah, bah, pourquoi pas. Et puis, au fur et à mesure, on commence un petit peu à se lasser de ces informations. Puis, au fur et à mesure, on commence à se lasser de voir tout le temps les mêmes produits et de voir toujours une succession de même marques. Je prends ton exemple. Si ton exemple, tu parles tout le temps de tous les hôtels du groupe Accor, donc tu vas me faire tous les Mercure, Ibis, Novotel et autres. Au bout d'un moment, tu vas dire, ah, bah, attends, il y a plein d'autres hôtels hyper sympas à Lille. Et hop, ça aura cassé ta communauté. Donc, il y a un moment, en fait, sur le court terme, oui, ça fonctionne. Sur le long terme, on se lasse de la personne en question. Ça veut dire que l'influenceur, enfin, le bon influenceur, hein, je mets bien toujours le bon, ou la structure, l'agence qui accompagne, etc., doit aussi intervenir en rôle de conseil en amont. Elle est aussi là pour conseiller, bien sûr. Comme on dit, consommez bien un budget pub ou optimisez vos investissements en...
en contenu. Je vais vraiment prendre mon exemple. Donc là, je suis prestataire de service pour aider mes clients. Moi, mes clients qui parfois vont me dire, moi, je veux faire de l'influence, je vais leur dire, non, fais pas, ça ne sert à rien à ce moment-là. Ou bien alors, non, prends pas lui, mais prends plutôt lui. Travaille plutôt en co-création avec lui sur du long terme plutôt que d'acheter un billet que tu vas payer 1000 euros ou 2000 euros. Et parfois, à l'inverse, je vais dire, non, tu as besoin très, très rapidement d'avoir une très forte visibilité. Mais 10 000 euros en média, ça sera peut-être plus intéressant avec ces quatre personnes-là. Tu fais un vrai partenariat rémunéré et peut-être que tu construiras par la suite. Donc, il n'y a pas de bonne, de mauvaise solution. C'est pas mal d'acheter des billets, c'est pas mal de co-construire dans le temps ou bien. Franchement, ça dépend de l'importance dans l'instantanéité et du type de personne que vous voulez avoir. Et du contexte, Raymond ? Tout à fait. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il s'agit que la relation avec l'influenceur soit une relation basée sur la confiance. Si l'influenceur n'est pas en accord avec ce que le produit ou la marque, il doit décliner l'offre et envoyer à d'autres qui pourront mieux répondre. Il n'y a pas de problème entre une campagne de recommandation où l'influenceur est carrément payé à contrat pour recommander positivement un tel produit. Ça existe. Et dans certains cas, c'est parfaitement correct. Par exemple, si je reprends le cas de Mark Schaefer, il a accepté pendant plusieurs années de bloguer à la fois sur les produits de IBM qu'il testait. Il a donné parfois des recommandations qui n'étaient pas bonnes sur le produit. Ça a aidé énormément l'entreprise à améliorer son produit, améliorer son service, et ça l'a rassuré l'entreprise de se rapprocher avec Mark Schaefer et de développer une collaboration beaucoup plus étroite. Une collaboration qui, à ce moment-là, a été négociée. Mark s'est dit, bon, d'accord, vous voulez que j'assiste à des événements, que je prenne la parole lors d'événements pour parler de vos produits. Dorénavant, les blogs seront commandités et vous allez me payer pour le travail que je vais faire. Mais lorsqu'il blogue encore pour IBM, il décrit pourquoi il aime le produit et pourquoi il aime moins tel produit. Et ça continue d'aider l'entreprise IBM à améliorer son produit en établissant une relation de confiance, d'honnêteté et d'authenticité à la fois avec le public et à la fois avec le client qui t'engage. L'influenceur n'est pas en danger, ne risque pas de perdre sa crédibilité, dont il a pris parfois des dizaines d'années à se bâtir. Alors moi, j'ai une question quand même pour toi, Bruno, parce que ton parcours est militaire. Tu nous as expliqué une méthode tout à l'heure. Mais quelque part, on peut être amené à se poser la question, en quoi l'univers, l'expérience militaire t'a permis aujourd'hui de devenir un expert en influence ? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples d'expériences vécues à ce moment-là, dans ce contexte-là, qui sont aussi de l'influence? Alors, si les armées étaient particulièrement fortes en matière d'influence, ça se saurait. Et ça se verrait notamment dans les budgets. Et je m'arrêterai là. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont transposables. Et j'ai vu surtout pas mal de contre-exemples, mais là, j'ai un bon exemple. J'ai un exemple pour vous montrer que et là, ça c'est un élément de langage que j'ai, c'est que dans les influenceurs, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des hommes ou des populations, il y a aussi des chiffres, des statistiques, des images, des histoires. Et raconter une histoire, c'est souvent ça qui permet de faire passer un fluide, qui est ce fameux fluide dont parle Bruno Racouchot, qui dit que l'influence est comme un fluide qui passe à travers des canaux. Eh bien, cet exemple, c'est quand un de mes grands chefs a invité un grand chef américain à venir visiter le centre d'opération que je commandais. C'était au mois de janvier. Et je me suis dit, tiens, c'est pas ce mois-ci que le grand chef a son anniversaire. Je me suis intéressé. Il se trouve que la visite a eu lieu le jour de l'anniversaire du grand chef. Il avait 50 ans. Et je me suis dit, bon, bah tiens, ça serait intéressant de savoir, par hasard, si l'anniversaire du grand chef américain est pas loin. Bingo. Le même jour. Or, il y avait des petits soucis de préparation d'un exercice en commun, pas mal au niveau subalterne. Et donc, la visite est très bien passée. À table, après, il y a eu un repas.
J'avais prévenu l'attaché militaire de chaque grand chef en disant que c'était l'anniversaire de l'autre, sans prévenir les grands chefs. Et donc, au moment du dessert, eh bien, l'influenceur, c'était quoi ? C'était deux gâteaux. Un gâteau Happy Birthday que mon grand chef a donné à l'autre, et un gâteau Bon Anniversaire que le grand chef américain, bon, bien sûr, on lui a apporté, hein, qu'il a donné à mon grand chef. Et bien sûr, derrière, le premier a offert un cadeau, le second s'est tourné vers son assistant, qui avait aussi prévu le cadeau, échange de cadeaux. Le lendemain, il n'y avait plus un seul problème pour préparer l'exercice. Donc là, ça veut dire quoi ? Le message, c'est quoi ? Ça veut dire, derrière des enjeux très formels, etc. Derrière, il y a des hommes. Il y a des hommes. Ouais. Et on peut faire passer des messages, on peut réussir à influencer des décisions grâce à tout simplement un moment qui est lié à la vie d'un homme, qui était tout simplement un anniversaire et qui s'est traduit après par un gâteau, tout simplement. Et donc, sans vraiment le vouloir, on a réussi, grâce à cet échange de gâteaux et de cadeaux aussi, à faire tomber énormément de choses et donc à changer le positionnement de l'autre, hein, qui s'inscrivait en faux pour telle ou telle raison. Eh bien, le positionnement de chacun a été changé et donc ça a été une influence réciproque et donc ça a été du win-win à la fin. D'accord. Donc l'importance de l'émotionnel, de l'expérience vécue. Absolument. Et de s'intéresser à la personne qu'on rencontre. Influencer, c'est créer du lien finalement. C'est créer du lien, c'est tout simplement rapprocher deux personnes. À tous, hein. Non, créer du lien, c'est influencer. Oui. Non. Ok. Non, mais oui, d'accord. Parce que l'influence, oui. C'est quoi ? C'est pas une influence, soi. J'aime bien la notion de fluide. Revenons à la définition. Oublions le mot digital, social media. L'influence, c'est avoir envie de faire changer le comportement de quelqu'un, si possible en lui laissant son libre arbitre. J'ai beaucoup aimé ta définition tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lui envoie un message. Il faut qu'ils le reçoivent. Donc déjà, il faut une capacité d'attention. Et là, on voit bien que dans le digital aujourd'hui, rien que la capacité d'attention, elle est compliquée à capter. Hein, c'est-à-dire qu'on est tous saturés dans nos canaux. Une fois que j'ai capté l'attention et donc que la personne a reçu le message, il faut qu'il le comprenne. Alors attention, et là, il y a tout un voyage dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il le comprenne, qu'il le retienne et qu'il décide de le transformer en action. Donc aujourd'hui, quand on parle du marketing d'influence digitale, vous vous souvenez de la pyramide que Guillaume a montré tout à l'heure avec les différentes strates d'influenceurs en fonction de leur nombre de followers, leur taille d'audience. C'était le reach proposé par chaque canal, voilà. En région. Il me semble qu'on a tendance à penser que celui qui a la plus grosse audience a le plus d'influence. J'ai l'intuition que moins on a d'audience et plus on a d'influence. Si je parle à une personne avec du lien, j'aurai plus d'influence dans mon message que si je prends un micro et qu'il y a 1000 personnes qui m'écoutent sur la personne concernée. Parce que sur la première couche, j'aurai l'attention. Par contre, la rétention et l'intérêt, vous voyez là, vous ne m'écoutez pas tous, vous êtes au moins 20 sur vos smartphones. Il y a moins d'intérêt que si on était tous les deux en train de se parler, il y a moins d'impact. Et donc, c'est toute cette chaîne qu'il faut optimiser. Et comme toujours, c'est un entonnoir. On peut optimiser en arrosant très très large et en prenant des très grosses influences. Moi, je crois que l'avenir, il est plutôt à plein de micro-influenceurs, des stratégies en co-création de concepts, ça avait été exprimé. Moi, je prends l'exemple des événements. Hein. Qu'est-ce qu'on fait sur les événements ? Nous, sur Comintech, donc cet événement associatif là, qui avait lieu il y a 3 jours, premièrement, on regarde quelles sont les personnes de la communauté qui ont un peu d'influence et on les invite. Déjà, rien que ça, on ne les paye pas, on les invite. Deuxièmement, on propose à toute l'audience de fabriquer le message de l'événement. Avec une séquence, à la fin de chaque séquence, là, comme à la fin de ce panel, moi, il reste 3 minutes, on dit stop, et on vous demande de travailler en groupe de 3 et de fabriquer une synthèse de ce qu'on vient de dire en 140 caractères. On l'a fait il y a 3 jours. Hein. Ça s'appelle des citations collectives. Et après, on le tweet. Alors après, on le met dans l'application mobile, on fait des likes, et donc la meilleure, la plus likée, on la tweet. On n'a payé personne, vous êtes tous influents parce que vous avez tous créé ce contenu. Et je peux vous dire que c'est celles qui ont le plus de reach. Donc, c'est, tu vois, ce mélange des messages, voilà, c'est ma petite... Alors, Raymond, j'ai vu que tu voulais, Lionel, vous vouliez réagir. Simplement, il nous reste 3 minutes. Je vais vous poser une question qui fera le lien avec la séquence 3. Et vous aurez l'occasion, du coup, peut-être d'exprimer un rebond par rapport à ce que vient de dire Julien également. La séquence 3 va parler, donc, qui suit la fin de cette table ronde, va parler des perspectives et des limites. On en a évoqué certaines déjà. Mais voilà, on est dans la salle, moi je ne sais pas, une entreprise, je travaille dans la com, je suis agence, je m'interroge sur le fait, est-ce que l'audience que j'ai, le contenu que je produis, fait de moi potentiellement demain un influenceur, comment bien faire les choses ? Si vous aviez chacun un message important à faire passer avant qu'on ait fini cette table ronde pour
aider les personnes qui sont là, qui nous regardent, vous tous, vous toutes, à repartir avec un enseignement fort, incontournable. Bruno. Le marketing d'influence, ça s'organise. Et les influenceurs ne sont pas que des hommes et on ne fait pas que du digital. La vie réelle existe encore. Julien, j'attends des applaudissements. Oui, oui, bah, on peut y aller. Hein, oui, oui, bah. Quelle influence. On va faire un influenceomètre en fonction du nombre d'applaudissements. D'accord. Raymond. Eh ben, moi, je reviens sur la relation client, l'authenticité, la confiance et la patience. La patience. Le temps, oui, de développer. De long terme. À long terme. D'accord. Alors, on n'est pas là que pour dire des choses. Voilà, on peut être aussi là pour alerter. Hein. Donc, Lionel. Ouais, essayez de vous intéresser avant de vouloir faire de l'influence. En gros, aujourd'hui, le vrai problème, c'est comme pour n'importe quel nouveau buzzword ou nouvelle technique marketing, c'est « Ah, ça a l'air simple, je vais y aller, je vais faire n'importe quoi, et puis ça ne va pas marcher, je vais dire que c'est nul parce que ça ne marche pas. » Donc, c'est un, d'essayer de vraiment vous y intéresser, et deux, après, bah, les gens qui font de l'influence, Rich en font partie, il y a des agences qui en font partie, je ne dis pas la mienne, il y en a plein d'autres. Il y a des experts dont c'est le métier, ben en fait, allez les voir parce que c'est un métier même de savoir gérer les influenceurs et de monter des campagnes d'influence au même titre que vous allez voir des agences de presse pour gérer les RP des journalistes. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'invente pas comme ça. Ça se travaille, ça s'apprend, mais ça ne s'improvise pas. On n'est pas d'un coup d'un seul, je sais faire. Gauthier. Pour rebondir effectivement sur ce qui a été dit, c'est prendre du temps. Effectivement, prendre du temps parce que l'affect, il n'y a pas d'histoire ou d'amour sans histoire. Mais les deux fonctionnent. Il n'y a pas d'amour sans amour. Non, il n'y a pas d'amour sans histoire, c'est celle-là. Un chasseur. Avec son chien. Et donc, ouais, dans tous les cas, il faut prendre le temps de créer cette relation-là. Donc, il y a plein de canaux de communication. Donc, si vous n'avez pas le temps, allez vers les autres canaux. Et si vous avez le temps de comprendre comment créer de l'affect, est-ce que j'ai quelque chose de sexy à dire qui va faire kiffer une communauté ou une autre ? Là, j'y vais et là, j'essaie de comprendre effectivement qu'est-ce que j'ai envie de dire, avec quel... Est-ce qu'on peut dire un autre mot qu'influenceur ? Ce serait quoi ? Ambassadeur. Avec quel ambassadeur j'ai envie de le dire ? Mais voilà, de prendre le temps de connaître cet ambassadeur et d'aller comprendre ce qu'il fait, quoi. Julien ? Alors moi, je ferai la séparation entre le long terme et le court terme. Sur le long terme, votre influence, c'est vous. Vos réservoirs, ils sont en interne. Donc, favoriser la création et l'émergence d'influents par le codir en exemplarité, mais par tous les collaborateurs et la culture, et surtout en étant plutôt intéressant pour vos audiences qu'intéressés. Et après, les influenceurs paid sont des outils d'explosion ponctuelle, éphémère, avec un peu de long terme et de relations, mais utilisez-les dans un mix en fonction du contexte, quand vous avez besoin de booster vos audiences, mais de manière pertinente et intelligente. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants aujourd'hui. Moi, c'était un plaisir de préparer cette table ronde avec vous. Petite information, donc la séquence 3, c'est dans 10 minutes sur les limites et les perspectives, hein, si ça vous intéresse. Vous êtes arrivés par là. S'il vous plaît, je vous demanderai de repartir par les rideaux qui sont sur les côtés. Et Bruno, tu proposes une séance de dédicace de deux de tes ouvrages sur la stratégie d'influence. C'est maintenant. Ça se déroule sur la table là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Et soyez de bons influenceurs, s'il vous plaît. Ambassadeur, on va dire, c'est ça ?